Mais sans déconner, j'espère que vraiment que vous ne regardez pas cette vidéo à 4 h du matin, parce que là, vous allez pas être bien. Oh, mais ça fait pas flipper sans déconner. Yo tout le monde, c'est Kilera, j'espère que vous allez bien. Déjà, je suis très très heureuse d'être de nouveau à vos côtés après ces multiples mois où j'ai été absente, j'avais besoin de faire un break et là je suis de retour donc ça fait vraiment plaisir d'être à vos côtés. Sans plus tarder les amis, comme vous l'avez eu dans le titre d'aujourd'hui, on va se concentrer sur une application qui fait beaucoup parler d'elle puisqu'il y a énormément d'utilisateurs dessus. Elle est utilisée pour faire des mèmes ou bien des vidéos de cover, bref, on parle de TikTok. Je me suis aperçue assez récemment, en scrollant un petit peu sur les TikTok, qu'il y avait parfois en fait des choses un peu sombres sur cette application. J'ai repéré deux hashtags que vous allez voir tout au long de cette vidéo, s'il faut on va tomber sur d'autres hashtags, qui sont un petit peu sombres sur TikTok et qui sont carrément flippants. Autant on peut tomber sur des vidéos drôles, autant on peut tomber sur des trucs assez creepy. Donc je vous propose de commencer maintenant les amis. On va cliquer sur le hashtag Are you coming to the tree et vous allez voir que c'est un peu flippant. Alors on va commencer par cette vidéo là, pour voir. C'est pas flippant, sérieux? Je comprends pas trop le... Je comprends pas trop le bail, en fait. En fait, sur ce hashtag, ils ont tous, mais vraiment... après, il y a des gens qui parlent du hashtag, donc forcément, on les voit pas. Eux, ils sont pas flippants. Mais en fait, le filtre qu'ils utilisent est... terrifiant. Je ne doute pas du fait que derrière ce filtre, il soit très beau, hein. Mais ce filtre qu'ils utilisent est vraiment terrifiant. Ils ont un délire avec les arbres que je ne comprends pas. Sans déconner. What? C'est quoi ça? C'est très bizarre. Cette vidéo va être démonétisée, je le sais d'avance, puisque de toute façon, elle utilise la chanson de Hunger Games, puisque Are You Coming to the Tree, c'est la, enfin, c'est la chanson qu'il y a dans Hunger Games. Donc du coup, je sens que cette vidéo va être clairement démonétisée, mais je voulais quand même la faire, c'est pas un souci. On va cliquer sur d'autres vidéos. Si vous êtes ici, c'est que votre voyage vers le dark TikTok s'est très bien passé. J'en suis le président, et je vous souhaite un bon séjour. Prenez désormais votre place immédiatement ici. N'oubliez pas, rendez hommage aux arbres et gardez le sourire. What the fuck? Bonjour, si vous êtes dit... C'est quoi le délire? On va aller lire un petit peu les commentaires. J'ai coupé plein d'arbres, j'en ai brûlé plein. Je ne comprends pas le délire avec le filtre et avec ces arbres. Si vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas. Je sais que ça part d'un délire et qu'en soi, c'est pas un deep web, un dark web, bien évidemment que non. C'est juste un délire, mais c'est un bail sombre. C'est un délire sombre sur TikTok. Et du coup, j'aimerais bien comprendre en fait d'où ça vient. C'est quoi? Dinner time. Non mais, on est sur, je vous l'ai dit, on est sur quelque chose qui me dépasse, moi. Ok, j'ai voulu, mais j'aurais pas dû. Soldat, faites attention à vous, ce côté de TikTok a l'air d'être maléfique, retournez tout de suite du bon côté. Je répète, retournez du bon côté, mais t'es pas net, Baptiste. Mais si, je suis très net. Moi qui essaye de comprendre sur quoi je suis tombée, à POV, j'ai peur de rester coincée du mauvais côté. C'est quoi, ça? Oh là. Mais c'est quoi le... Vous entendez la musique en plus qui est utilisée à chaque fois? Mais... Sans... Eh hey. On est... Sans déconner, on est sur un truc... Je ne comprends pas. Je comprends pas d'où vient ce hashtag. Vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein. Si vous savez d'où vient ce hashtag et d'où... Bah ouais, d'où à la base ça provient, en fait. Qui a lancé ce truc? Et si vous n'avez pas forcément le qui a lancé ce truc, expliquez-moi le délire, en fait. Et pour ceux, peut-être, qui font partie de cette commune, expliquez-moi, du coup, le délire, car je ne le comprends pas. Je me doute que c'est une joke entre vous. Enfin, qu'il y a un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais ça, c'est pas la mangeuse de bébé?
Ouais. D'accord, ok. Il y a un délire avec les arbres. Hein. Non mais ça... Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va regarder, les amis, on regarde. On est là pour regarder, pour découvrir tous ensemble. Comprends pas. Ok, aller à l'extérieur pour du coup rejoindre les arbres. Mais c'est quoi le délire avec les arbres? Mais y a que moi qui a peur. Alors par contre, je me dis que c'est clairement pas le type de vidéo à regarder à 23h. J'espère de tout cœur que vous n'allez pas regarder cette vidéo aux alentours de 2h du matin, minuit, quand vos lumières sont éteintes et que vous êtes posé au fond de votre canapé ou bien dans votre lit, au chaud. Quoique maintenant, il commence à faire chaud, donc avec les draps. Mais j'espère vraiment que vous regardez pas cette vidéo très tard, parce que ça peut faire flipper. Moi, la dernière fois, je suis tombée sur ce hashtag justement dans la nuit, et je peux vous dire que j'étais pas bien. J'étais pas bien. Quand j'ai vu certaines têtes, j'étais pas bien, quoi, on va le dire. J'étais stressée, clairement. On va regarder la suite, hein. Mais... C'est quoi ce délire? Ah mais sans déconner. Ça fait pas flipper, ça? Eh, j'ai peur du mute à l'autre qui est un screamer. Ah là là, j'ai peur. Je suis pas... Autant quand on regarde les pires TikTok, on est bien. Autant quand on regarde ça, on n'est pas bien. Oh là là... Non mais sans déconner, j'espère que vraiment que vous ne regardez pas cette vidéo à 4h du matin, parce que là, vous allez pas être bien. Oh mais ça fait pas flipper, sans déconner. Pour ceux qui se demandent avec quoi je record au cas où, je suis sur Bluestack. C'est le logiciel que j'utilise pour record, j'ai pas besoin de me loguer dessus pour TikTok comme ça. Et je peux regarder tranquillement sans que du coup je sois spammée de vidéos comme ça sur mon compte. Parce que si je commence à regarder ça, l'algorithme de TikTok va comprendre que je suis intéressée par ce type de vidéos et m'en fournir à l'appel. Donc ça ira. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis hein, dans le chat, enfin dans les commentaires, à me donner des hashtags sur TikTok qui pourraient être intéressants et qui pourraient faire l'objet d'une vidéo si vous en avez trouvé certains. Hop, on va regarder celui-ci. Non mais c'est flippant avec cette espèce de son qui te met en fond là. Ah putain, je suis pas bien. Réellement, je suis pas bien. Réellement, j'étais pas bien. Ah, il te stresse. Moi, il est 15h53 quand je recorde cette vidéo. Mais réellement, ça me stresse quand même, 15h53. Alors je me dis, quelqu'un qui regarde la vidéo à 4h du mat', il est vraiment trop mal. Je sais pas ce qu'elle dit, elle chuchote un truc, mais je ne sais pas quoi. Oh là là. Je sais pas pourquoi, avec les arbres, qu'est-ce qu'ils ont fait les arbres? Mais ils défoncent les arbres ou ils sont avec les arbres en fait? Parce qu'un coup je vois des gens qui défoncent des arbres, un coup je vois des gens qui les défoncent pas. Ils sont pour ou contre? Oh putain! Non mais sans déconner! Non mais, c'est viral de ouf. Mais en fait, je suis le seul à ne pas comprendre la tendance. Ah, on aura peut-être une réponse. C'est une secte. Ah ouais, c'est flippant. Mais genre, ils le font exprès ou c'est vrai? Le font exprès pour faire comme les membres de la secte. Mais beaucoup sont très sérieux. PTDR, personne n'est sérieux, c'est juste une tendance, c'est tout. Ah, regarde bien certains comptes. Je suis désolée les amis, la caméra a peut-être un petit peu bougé, j'en suis désolée, j'ai dû formater la carte mémoire puisque j'avais plus de place dessus et impossible de la vider sur le PC. Donc voilà, on reprend tout de suite les amis. Donc on va aller voir certains comptes pour voir si tous les comptes sont comme ça ou si au contraire, non pas du tout en fait, c'est juste vraiment un délire. On va aller voir celui-là qui est assez flippant quand même. Oh, ah non, celui-là il est flippant de ouf. Et on va cliquer sur lui. Ah non, celui-là ça a l'air d'aller. Oh là là, comment ça te change l'ambiance d'un coup? Ça te change tout d'un coup. Ah ouais, donc c'est que ça. Elle aussi, c'est que ça du coup. J'ai l'impression. What?
C'est que ça, ok. Celui-ci. Celui-ci. Ah non, vous voyez, regardez. Non, non. C'est pas que ça. Donc il y a que... ouais, il y en a que certains qui sont à fond. Et d'autres... ils le sont pas tous, en fait. Hein. On va aller voir lui. Alors lui, ça a l'air d'aller. J'appelle les Warren, ok. Non mais lui ça a l'air d'aller. Si on clique là-dessus, c'est quoi ça? Je trouvais le Dark TikTok genre la partie flippante de l'application. Ah bah. Je vous mets le hashtag, j'aurais jamais dû aller. Peut-être que c'est notre hashtag. Non, c'est exactement le même. Celle-ci fait partie des vidéos encore les plus flippantes. Hein. Celle-ci fait clairement partie des vidéos les plus flippantes. Et attendez, on va cliquer sur le compte. Pour voir si c'est que des trucs comme ça. Bah non. C'est pas que des trucs... Ah, attendez, il y avait une partie 1. Oula. Ok. Mais sinon, dans son compte, il n'y a pas que des trucs comme ça. Ah, t'as une vidéo avec des pieds, ça me dégoûte. 2,7 millions, hein, quand même, le bordel. Il doit y avoir encore beaucoup de vidéos, bien évidemment, que je n'ai pas vues. Les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé personnellement. Je n'arrive pas à savoir en lisant les commentaires. Il y a une partie qui disent que c'est une secte, une autre partie qui disent que c'est un délire, une autre partie qui disent qu'ils aimeraient faire comme une secte. Je ne sais pas, en étant honnête, moi je pense que c'est un délire, mais j'en sais pas. Je dis ça, mais finalement, j'en sais pas grand-chose. Donc, dans les commentaires, vraiment, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à aller checker. Je vous mettrai... Bah, de toute façon, vous avez vu le hashtag. Hein, j'ai pas besoin de vous le mettre dans la description, quoi que ce soit. J'espère de tout cœur, mon petit Martin, ma petite Martine, que tu n'as pas vu à cette heure-ci... Enfin, à cette heure-ci, que tu n'as pas vu la vidéo à 23h, minuit, 4h du matin, puisque je pense que tu vas vraiment stresser et que tu vas pas être bien. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a d'autres hashtags sur TikTok que vous voulez que j'aille checker, notamment des hashtags peut-être aussi dans ce style-là, ou peut-être que j'ai raté le coche et qu'il y a un autre hashtag avec eux et que je l'ai raté, je l'ai pas vu. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y a des hashtags que vous avez repérés, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas aussi à me follow sur TikTok. J'ai pas posté de vidéo dessus, mais ça ne serait tardé, hein, ça ne serait tardé, ne vous inquiétez pas, je vous mets mon TikTok, hop, juste ici, n'hésitez pas à aller le follow les amis, on va se donner, on va essayer de faire des TikTok, pas comme ça, mais on va essayer de faire des TikTok assez rigolos, on verra bien. Du coup, je vous fais à tous de très très gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aux multiples réseaux sociaux et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime 3 fois 1000 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !